Cette fin d'année sera particulière pour Camille Santoro. La star de famille nombreuse, la vie en XXL a récemment fait face à la mort de son père. Plus encore, elle a annoncé sa rupture avec Nicolas, son mari également père de ses 6 enfants. Alors qu'elle ne pensait pas voir le bout du tunnel, voilà qu'elle annonce une bonne nouvelle. Après des années d'amour et 6 enfants, Alessio, Nino, Amy, Mattia, Mae et Alba, Nicolas et Camille Santoro ont annoncé leur rupture. Le couple phare de famille nombreuse, la vie en XXL reste discret sur les raisons de cette séparation inattendue. Toutefois, d'après des rumeurs, la jeune maman serait en réalité en couple avec une femme depuis des mois. Mais face à cela, il reste soudé. Et sur ses réseaux sociaux, Camille Santoro annonce même une bonne nouvelle. Nicolas et Camille Santoro ensemble à Noël, malgré leur rupture jeudi 21 décembre 2023, la belle blonde aux yeux bleus s'est saisie de son compte Instagram afin de donner des nouvelles, en story. Le repas de Noël, si est-il bouclé. Les présents, si est-il fait, du moins une bonne partie. Si est-il vraiment cool, s'est-elle réjouie. Puis, Camille Santoro a tenu à éclaircir un point qui semble être un gros sujet pour vous, alors que sa année n'est absolument pas un pour nous. Si est-il ainsi qu'elle annonce que, malgré la rupture, il se retrouve pour les fêtes de fin d'année, je ne vis plus avec Nicolas mais on sera évidemment ensemble à Noël en famille, tous ensemble à la maison. Et on est tous très contents de ça. Une heureuse annonce qui devrait ravir les enfants du couple, qui auront la chance de passer ces tendres moments avec maman et papa. Camille Santoro et son ex-mari Nicolas déjà réunis pour un jour spécial la veille, mercredi 20 décembre 2023, au cours d'un live sur le réseau social de partage d'images, Camille Santoro avait déjà évoqué le sujet. Évidemment, on fera Noël en famille, avait-elle assuré. Et de se justifier, je ne fais pas semblant. Je ne fais pas semblant avec Nico, tout va bien. L'essentiel, si est-il qu'on soit ensemble, à Noël, avec nos enfants. Si est-il le plus important pour nous. Une révélation qui rejoint les précédentes déclarations de la jeune femme, qui confiait qu'elle et son désormais ex-mari étaient restés en très bons termes. D'ailleurs, le duo s'était déjà retrouvé pour une occasion spéciale le 11 décembre dernier, ils ont pris la pause ensemble à l'occasion de l'anniversaire de leur fille Amy, qui célébrait ses 10 ans.